Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga, ça y est, on arrive enfin à l'iceberg, depuis que je promets de faire l'iceberg, ça sera en plusieurs vidéos. Alors, les icebergs c'est un peu à la mode maintenant sur YouTube, on en trouve sur à peu près tous les mangas, donc il faut aussi en faire un sur Captain Tsubasa. Pour rappel, c'est quoi les icebergs? Le but, c'est passer en revue toutes les infos sur une licence, en partant des infos les plus évidentes, les plus connues, et en terminant par les infos les moins connues, les plus rares, les rumeurs, les mythes, etc. Donc on descend au fur et à mesure, on s'enfonce dans les profondeurs, on descend vers la partie immergée de l'iceberg. Donc au début, on va commencer dans cette première vidéo aujourd'hui, dans la partie émergée de l'iceberg, même au-dessus de l'iceberg, donc vraiment les éléments connus, mais peut-être que des petits détails que vous ne connaissez pas. Et puis, la prochaine vidéo, ça sera un peu moins connu, puis on finira au bout de plusieurs vidéos, il y aura 7 vidéos en tout, 7e vidéo, on sera en dessous de l'iceberg, avec là vraiment des éléments que je pense que vous n'avez jamais entendus. Alors merci d'abord à Hichem de la page Twitter Captain Tsubasa Perfect Shot, que je vous conseille, Twitter X maintenant, donc qui m'a proposé de faire cet iceberg-là et qui a fait le plus gros du boulot, pour être tout à fait honnête, avec l'aide de membres du serveur Discord que je remercie, Seven, Waru, Olidal, Fly et Rob. Voilà, merci pour votre aide, pour avoir préparé tout ça. Donc on va commencer avec la zone 1, le ciel au-dessus de l'iceberg, et on va commencer avec Olive et Tom. Et oui, Olive et Tom, c'est le nom en France de l'anime Captain Tsubasa en 1983. Donc 83, ça date au Japon. Sorti en France en 88 sur la 5, et en 91 seulement au Club Dorothée. Hein, ça arrive assez tardivement quand même au Club Dorothée, sous le nom Olive et Tom. Alors le nom est encore très utilisé aujourd'hui. La plupart des casus, des parents, voire des grands-parents connaissent que Olive et Tom comme nom. Alors, s'ils avaient été logiques, Captain Tsubasa, ils auraient appelé ça Captain Olivier. Ok, franciser les noms, mais pourquoi Olive et Tom? Parce qu'à l'époque, quand un nouveau dessin animé japonais arrivait, qu'est-ce que faisaient les distributeurs, les traducteurs, l'équipe en tout cas qui allait gérer la distribution et la diffusion? Ils regardaient un, deux épisodes. Ah, ils regardaient ce qui se passait, ok, voilà le titre. Et donc, les premiers épisodes, c'est quoi? C'est la confrontation entre Tsubasa et Genzo, donc entre Olivier et Tom. Et donc, ben ça, ils ont appelé ça Olive et Tom. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce titre-là, qui est assez intéressant, finalement, quand on prend en compte tout le manga. Finalement, le nom Olive et Tom n'est pas si bête que ça. Pendant un moment, ça paraissait très bête, parce que Genzo disparaît de l'histoire. Mais finalement, quand on voit la vue d'ensemble, c'est assez intéressant. Allez voir la vidéo pour en savoir plus. Les noms de doublage, alors oui, voilà, pareil, hein, ils avaient inventé des noms pour occidentaliser, parce qu'à l'époque, bêtement, ils croyaient qu'on aurait du mal à retenir Tsubasa, Genzo, c'est pas compliqué à retenir, on a réussi à retenir Son Goku, Vegeta, Freezer, pas pourquoi on n'est pas capable de retenir Tsubasa. Bref, ils n'ont pas appelé Freezer Marcel, ils n'ont pas appelé Krillin Roger, donc bon. Mais à l'époque, ils étaient persuadés de ça, et ils ont préféré mettre des noms anglo-saxons. Alors, à noter que c'est d'abord arrivé en Italie, ça qui est marrant, et c'est les Italiens, en fait, qui ont après diffusé ça un peu partout, et c'est eux qui ont choisi des noms anglo-saxons, certainement pour que ça soit le plus international possible. Donc Olivia Tone, Thomas Price, Ben Baker, Paul Diamond. D'ailleurs, certains encore aujourd'hui ont du mal à utiliser des noms japonais, sont restés bloqués là-dessus. Alors je vous renvoie vers ma vidéo sur les noms des persos dans tous les pays. Vous pourrez retrouver le nom de chacun des persos dans les différentes versions. Kojiro Yuga, appelé Mark Landers en Europe, mais aussi appelé Bassam au Moyen-Orient, ou appelé Steve Yuga en Amérique. Voilà, c'est assez rigolo les noms. Voilà, donc je vous renvoie à ma vidéo sur les noms dans le manga. Mais ça a mis un sacré bordel au niveau mondial, parce que les fans, quand ils parlent entre eux, ben, ils ont du mal. Un japonais qui parlerait avec un fan français et qui parlerait avec un saoudien, ben oui, ils n'ont pas les mêmes noms. Donc ça a été très compliqué, et c'est d'ailleurs pour ça que les japonais ont fini par interdire ces noms-là. Mais non, on est obligé, quand on achète les droits de Captain Tsubasa, et qu'on fait manga, donc on a acheté le droit du manga ou de l'anime, ou qu'on veut faire un t-shirt ou ce que vous voulez, on est obligé maintenant d'utiliser les termes, les noms des joueurs japonais. Voilà, ça c'est très bien, ce soit enfin décidé. L'accent de Misugi en VF, alors oui, Julian Ross, vous le connaissez, qui se retrouve avec un accent espagnol, brésilien, on sait pas trop, latino en tout cas. Alors déjà en Italie, ils l'ont appelé Julian Ross. Ok. Et il a un maillot jaune avec marqué M. Bon, les mecs de Julian, c'est passé en Roulian, on sait pas trop pourquoi. Ils ont vu, je pense, le maillot jaune, ils se sont dit, ben, c'est le Brésil,
hein, on va dire, parce que franchement c'était des boulets, hein. Les équipes de doublage, alors c'était très amateur à l'époque aussi, c'est pour ça, c'était plutôt les groupes, un groupe de potes dans leur cave qui faisaient du doublage, hein, il faut presque l'imaginer comme ça, c'était très amateur, ils faisaient n'importe quoi, ils improvisaient, des fois ils faisaient même volontairement des blagues, ils parodiaient le truc volontairement, donc là voilà, maillot jaune, ils se sont dit c'est le Brésil, le M de Musashi c'est devenu la Mambo, et le Julian Ross est devenu Julian Ross, et ils lui ont filé carrément un accent latino. Voilà, absolument ridicule. Et d'ailleurs, pendant longtemps, y a des fans qui croyaient que Julian Ross était espagnol, brésilien, etc. Voilà. Ça fait du mal, hein, ce genre de conneries. Si j'avais une machine à remonter dans le temps, personnellement, moi, je remonte aux années 80 pour péter la gueule au doubleur. Hein. Et je commencerai par ceux de Kuto no Ken, d'ailleurs. Hein. Alors ensuite, les terrains de 20 km. Alors ça aussi, oh là 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 là. Le plus gros cliché sur le manga Captain Tsubasa, ça revient tout le temps. Les gens se croient intelligents à sortir cette blague. Alors à la télé, attention, hein, vous faites une émission sur Click TV, il y a toujours un boulet qui va la sortir, et qui se croit malin en plus. Vous parlez avec quelqu'un dans la rue, il va vous la sortir. Bon, sur les réseaux sociaux, ça sort encore aujourd'hui. Parce que ça, c'est que, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'anime de 1983 qui a ce problème. Dans le manga, les terrains ne semblent pas plus longs que la normale. C'est juste que dans l'anime à l'époque, ils se sont dit comment on va faire quand les personnages sont en train de parler que ça dure longtemps. Comment on va faire en termes de mise en scène? Ben, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est rallonger le terrain. Ils l'ont même fait incurver. Voilà, au fur et à mesure, vous voyez les cages apparaître. Alors, c'est devenu la signature de la série. Mais du coup, voilà, c'était un peu ridicule. Certains se sont amusés à faire des calculs, voilà, à chronométrer combien de temps ils mettent à traverser le terrain, quelle est la vitesse de course moyenne d'un enfant, calcul simple à faire. Voilà, les terrains font 20 km. Voilà, bon, bref, ça n'amène pas à grand-chose. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de gens qui se croyaient malins avec ça. Ensuite, le tir de l'aigle. Alors là, quelle histoire, le tir de l'aigle? Le tir de l'aigle, vous le savez tous, normalement, hein, si vous suivez la chaîne, c'est le tir de Matsuyama. Voilà, y a pas de mystère à ça. Et donc, en 83, le problème, c'est que le drive shoot est devenu le tir de l'aigle. Pourquoi? Parce que quand il fait un drive shoot, il y a un aigle qui apparaît. Donc, du coup, ça s'appelait le tir de l'aigle, et les gens à l'école appelaient ça le tir de l'aigle. Donc, et en plus, oui, il y avait dans l'école des champions le tir de l'aigle. Donc tout ça s'est mélangé, il a fallu du temps pour que les gens comprennent. Donc c'était pas le tir de l'aigle, c'est le tir de la feuille morte. Alors pourquoi d'ailleurs le tir de l'aigle fait du rasmote? Ça n'a rien à voir avec un aigle, mais c'est parce que Matsuyama, c'est lui l'aigle en fait, hein. Voilà. Mais ça n'a pas trop de sens par rapport à la technique de tir, il aurait dû trouver un autre nom que ça d'ailleurs. Et voilà, il y a eu une confusion autour du tir de l'aigle. Mais en plus ça semblait logique par rapport à Yuga. Yuga avait le tir du tigre, ben, pour opposer au tigre, il fallait un animal, donc un aigle. Donc, c'est ce qui se passe d'ailleurs quand il fait les tirs, il y a un aigle. Mais au niveau du nom, par contre, c'est pas ça. C'est le tir drive shoot ou le tir de la feuille morte, si on veut le mettre en français. Le joueur du grenier avait fait un let's play narratif en 4 épisodes sur le tournoi junior en partant du jeu PS2, parce que c'est une chaîne quand même qui parle de jeux vidéo. Le jeu PS2 plutôt sympa, un jeu de rythme que je vous conseille si vous pouvez le tester en émulateur ou si vous avez encore une PS2 japonaise et que vous pouvez avoir le jeu, ou vous avez une Recalbox. Donc du 19 août au 2 septembre 2017, voilà, il a fait un let's play narratif qui était plutôt marrant, même si honnêtement ça s'adresse plutôt à des casus que à des fans hardcore de Captain Tsubasa, parce que les blagues qui sont faites dans ce JDG, alors moi j'adore JDG, hein, mais dans ce let's play narratif, il sort toutes les blagues entendues des milliers de fois, voilà, du déjà vu, il n'y a pas vraiment d'originalité, il n'y a pas de créativité, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la licence, qui a regardé ça gamin, par contre ça doit être marrant. Mais bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même d'aller la voir. Olive et Tom, le retour, anime diffusé au Japon pendant un an, de 2001 à 2002, 52 épisodes par le studio groupe TAC. Alors c'était d'abord un reboot du primaire collège junior, et ensuite le début de World Juice, puis ensuite un saut, une partie inédite qui n'avait jamais été faite, parce que le début de World Juice on l'avait eu dans Captain Tsubasa J, qui n'a jamais été diffusé en France. Ensuite il y avait une partie inédite sur le début du manga Road to 2002. Le problème c'est que ça avançait trop vite, et vu que le manga était très lent, parce qu'il a terminé en 2005, Road to 2002, 2004 ou 2005, donc ils ont inventé toute la fin de l'arc, ils sont partis assez loin du manga. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le côté non canon d'Olive et Tom le retour, je vous y renvoie. Olive et Tom le retour est-il canon? Voilà, c'est le nom de la vidéo je crois, où je vois tous les détails. Bon, déjà le reboot il est pas très fidèle, hein. Il change les scores, il coupe des passages, etc.
etc. Alors, il n'y a pas les vrais noms pour des problèmes de droit, le nom des clubs, etc., le nom des joueurs. Davids n'est pas appelé Davy. Ils ont eu trop peur, je trouve que ça soit trop proche, ils l'ont appelé Willem. Enfin voilà, c'était un gros bordel. Ils ont intégré aussi une partie du one-shot Holland Youth. Ils l'ont mis dedans avec un match, mais avec un match amical des adultes des Pays-Bas. Enfin, c'était un bordel. L'animation était très laide. Enfin, la direction artistique très laide et l'animation avec de la 3D pas terrible. Les bruitages et la musique étaient bonnes. Bon, c'est peu apprécié aujourd'hui, mais ça a permis à une génération, donc ceux qui étaient enfants en 2001, de découvrir la licence. Et rien que pour ça, ça a été utile. Emmanuel Petit. Alors Emmanuel Petit, une légende urbaine voudrait que Pierre soit inspiré d'Emmanuel Petit. Vous le verrez chez des youtubeurs spécialisés foot qui font des fois des vidéos sur Captain Tsubasa, où vous entendrez ça à la télé, à la radio, hein, des bêtises comme ça. Alors chronologiquement, ça ne marche pas. J'avais fait une vidéo sur les joueurs réels à l'origine des personnages, vous l'avez sur la chaîne aussi, voilà, où je rétablis les vraies origines. Chronologiquement, ça ne marche pas, sur le style de jeu non plus. Quand Pierre apparaît, Emmanuel Petit est non seulement inconnu au bataillon, c'est encore un joueur très 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 peu connu, même en France, donc au Japon n'en parlons même pas, mais en plus il n'a même pas les cheveux longs. Donc ce n'est pas du tout Emmanuel Petit, puis en plus, quel rapport entre Emmanuel Petit et un meneur de jeu? Donc Pierre est un personnage inventé qui s'inspire en partie de Platini sur un peu le style de, enfin, sur le côté meneur de jeu français football champagne, mais voilà, c'est un mélange, mais c'est une erreur qui est assez commune. La suite de l'anime en 2023 qui a commencé, j'ai fait la review sur la chaîne du premier épisode, saison 2 ou saison 3, voilà encore un bordel, hein, la licence Captain Tsubasa n'est jamais bien gérée, c'est catastrophique, c'est vraiment de l'amateurisme à chaque fois. Donc le problème, c'est que ça n'a pas été clair. Quand il y a eu l'annonce, on a vu marquer saison 2. Mais les gens disent, je comprends pas, on l'a vu, la saison 2, c'est le collège. Et oui, parce qu'en France, les 52 épisodes ont été séparés en deux parties de 26 épisodes. C'était présenté même en coffret, mais aussi sur les sites de streaming, etc. Saison 1, le primaire. Saison 2, le collège. Sauf qu'au Japon, la saison, il n'y a qu'une saison, et c'était les 52 épisodes. Et la saison 2, c'est l'arc junior. Donc voilà, maintenant c'est rétabli sur les sites de streaming, ils ont réorganisé ça pour mettre en saison 1 les 52 premiers épisodes, mais il y a eu une sorte d'incompréhension au moment de l'annonce de la saison 2. Mais voilà, toujours de l'approximation dans cette licence. Partenariat avec la Fédération Française de Football, j'en avais parlé sur une vidéo il y a un moment, on voyait des dessins. Donc de l'équipe de France en 2019 dessiné par Takahashi, on voyait donc les Mbappé, Griezmann, Giroud dessinés par Takahashi mélangés au personnage de Captain Tsubasa. Il y a eu un partenariat et à l'époque j'avais dit mais qu'est-ce qui se prépare, il y a peut-être une surprise, peut-être un épisode spécial, il y a peut-être un truc qui va arriver. Pas du tout, en fait c'était juste du pur marketing. Voilà, ça s'est résumé à quelques dessins très sympathiques, mais c'est pas allé plus loin. Donc voilà, toutes les théories sur un DLC pour Ronk, où iraient les joueurs de l'équipe de France et tout, tout est tombé à l'eau, mais c'est ça les théories, hein. Elles sont fausses, même souvent fausses, hein, dans tous les mangas, dans toutes les licences, c'est dur de faire des bonnes théories, mais là voilà, on espérait que ça irait un peu plus loin qu'un côté marketing pour vendre des sacs, vendre des pulls, des choses comme ça, mais ça c'est pas allé plus loin. CR7 et Messi, pourquoi ne sont-ils pas dans le manga? Les questions donc, du journaliste à Takahashi tournent souvent autour de ça, et Takahashi avait été très clair, non, il ne rajoutera jamais CR7 et Messi, et il n'y aura pas de perso de faux Messi. Par contre, il y a Savic, un joueur qui, pour certains, serait un mélange entre Saviola et Messi. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, allez voir Savic sur Internet, et vous verrez votre idée. La dédicace à Neymar, Mbappé, Iniesta et Messi et au FC Barcelone par Takahashi. C'était il y a 2 ans, je crois maintenant, dans le cadre d'un événement promotionnel. Takahashi a dédicacé des dessins inédits à des stars du football, Mbappé, Neymar, Iniesta et aussi le FC Barcelone. Alors, c'est pas toujours très ressemblant, voilà, il n'a pas cherché vraiment à faire des sosies. Par exemple, je trouve que Diaz, on voit bien que c'est Maradona, Rivaldo, on voit bien que quand même c'est assez proche, c'est pas sosie de Rivaldo non plus, mais là par contre c'est assez éloigné. Hein. Si je vous dis pas qui c'est, vous le devinerez pas. Neymar notamment, par exemple, qui a absolument rien à voir. Mais voilà.
C'était sympa, pareil, c'était de la promotionnelle pour faire parler de la licence, etc. Ça, c'est les sponsors aussi qui organisent ça, des fois, ces rencontres-là. Bon, certains ont tenté de trouver des justifications, un sens à tout ça, mais non, non, il n'y a pas eu Neymar, Mbappé, Iniesta, mais enfin, Iniesta est dans le manga, mais Neymar, Mbappé et Messi ne sont pas arrivés dans le manga. Par contre, Neymar et Mbappé sont arrivés dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Et justement, Captain Tsubasa Dream Team, on en parle. Donc, ce jeu mobile sorti en 2018 dans le monde, mais en 2017 au Japon, toujours disponible au moment où je fais la vidéo, développé par Clap Game, qui ont fait aussi le jeu sur Bleach. Un gameplay inspiré des jeux Tecmo des années 80 et 90, donc du semi-tour par tour. À ce jour, le jeu vidéo le plus complet sur la licence. Voilà, il y a quasiment tous les joueurs, pas tous, mais il doit y avoir 98%, 97% des persos de la licence. Très décrié pour son manque de générosité, c'est un des gachas les moins généreux qui existent, et le très mauvais équilibrage du PvE depuis le début. Bon, à l'heure où je fais cette vidéo, en 2023, en octobre 2023, il a perdu la plupart de ses joueurs, et il ne survit plus que grâce aux baleines du Moyen-Orient, voilà, qui mettent 2000 euros dans le jeu par mois et qui le font vivre, mais la descente aux enfers est engagée. L'influence de Captain Tsubasa sur les joueurs de foot, alors ça c'est très courant, et c'est ce qui fait que Captain Tsubasa c'est le manga de foot culte, et que personne ne peut l'approcher. Énormément de joueurs de foot pro ont dit qu'ils ont été motivés à faire du foot en professionnel après avoir lu Captain Tsubasa. C'est le cas de Messi, de Zidane, de Henry, de Del Piero, de Iniesta. C'est ça la différence avec les autres mangas de foot. Vous lisez Inazuma, j'adore Inazuma, en tout cas les trois premières saisons, j'adore. J'ai fait aussi les jeux, donc j'ai regardé l'anime. Mais quand vous vous rendez Inazuma, vous n'avez pas envie de devenir footballeur professionnel. C'est pas ça qui ressort. Même Blue Lock, 5 contre 5, avec 5 attaquants contre 5 attaquants, ça donne pas envie de faire sérieusement du foot. Ça peut être un super manga, mais Captain Tsubasa a ce côté-là qui l'a fait découvrir le monde du foot, a fait rêver les gens autour du monde du foot, et certains ont pris Tsubasa comme un exemple. Et ont voulu faire comme lui de grandes choses dans le foot. Et certains ont réussi. Captain Tsubasa 2018. Voilà, tout à l'heure on a parlé du problème de saison 2, saison 3. En 2018, nouveau reboot. Ça avait été la grosse surprise, personne ne s'y attendait. Reboot avait le primaire collège, donc en 2018. Une animation de grande qualité par David Production. Hélas, qui a laissé la main à Studio Kai pour la saison 2. Ça a gardé le même style, mais un cran en dessous. C'était 52 épisodes pour cette première saison. C'est la version la plus fidèle au manga qu'on ait jamais eu par rapport à 83 et 2001. Une petite modernisation par Takahashi qui a rajouté les tablettes, les smartphones pour que ce qui se passe à notre époque, pour que ça parle plus au jeune public. Très sympa. Bon, au début, on croyait que ça s'était arrêté faute de succès, mais finalement non, vous le savez maintenant. Il y a la suite qui a commencé. Maintenant, on espère qu'il y aura tout le manga qui va être adapté. Le maillot de la Coupe du Monde 2018... avait été fait en modèle spécial Captain Tsubasa, dans le maillot du Japon, de la Coupe du Monde 2018, un très beau maillot, avec donc plein d'images du manga dans le numéro 10, et bien sûr floqué Tsubasa. Voilà, c'est très sympa ce maillot, on peut certainement encore le trouver en officiel, en non-officiel, voilà, vous cherchez, vous savez où chercher, de toute façon, c'est pas compliqué, mais voilà, un maillot qui a été fait pour fêter la Coupe du Monde 2018, pour appuyer la sortie de l'anime aussi, bien entendu. Et on termine avec Rise of New Champions, jeu console PC sorti en 2020 et réalisé par Tamsoft, édité par Bandai Namco sur PS4, PS5, Switch, PC. Donc un jeu très sympathique où, bon, comme beaucoup de jeux manga, vous créez votre perso et ensuite vous faites l'arc collège et l'arc junior, mais un arc junior remanié, enrichi, avec, il y a plus d'équipes dans le tournoi, il y a des équipes inédites, des 8 joueurs inédits très intéressants, bien construits, dont certains très très forts. Un mode très sympa où vous faites évoluer votre avatar, vous lui apprenez des techniques, vous lui montez des stats, vous pouvez lui filer le drive shoot, le Neo Tiger shoot, vous pouvez lui filer le dribble de jazz, voilà, c'est très sympa. Mais il y avait aussi un véritable mode histoire qui reprenait l'arc collège, où là vous refaites tout les événements de l'arc collège, les matchs, et où vous devez même des fois réussir à recréer certaines actions pour débloquer des trucs. Bon graphisme, voilà, des bons graphismes fidèles au manga, un gameplay temps réel, une prise de risque, des faiblesses, un gameplay un peu trop exigeant qui a perdu le grand public, un PVP très très déséquilibré. Au premier jour, le PVP était injouable, c'était beaucoup trop déséquilibré, et malgré leur ajustement, ils n'ont jamais réussi à faire un truc équilibré. Un DLC décevant, des personnages solo, 9 personnages, pas très bien choisir en plus, c'est ça le pire, avec Pépé par exemple, alors qu'il y avait mieux à choisir, et surtout pas d'équipe, on espérait des équipes complètes. Dans l'ensemble, les fans ont été satisfaits de ce jeu, qui est un jeu qui mérite 14
en soi, en tant que jeu, et si vous êtes fan de Captain Tsubasa, qui mérite 16-17, je pense, mais voilà, qui reste un jeu de niche. On espère qu'il y aura un jour une suite, mais c'est mal engagé. En tout cas, ce jeu a été, enfin, il est en train d'être porté sur mobile avec le jeu Captain Tsubasa Ace. Voilà pour cette première partie de l'iceberg. On a vu les éléments les quand même les plus connus, hein, généralement. On est rentré des fois un peu dans les détails. Et rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2. Donc là, on va arriver sur l'iceberg lui-même et on va arriver sur des choses un peu moins connues. On va commencer notre descente. Je vous dis à très bientôt. Ciao.